Hello. Hello, hello. Hello. Hello, hello. Hello. Hello, hello. Hello. Hello, hello. Hello, 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 les filles. Hello, hello. Oh là là. Bon après-midi à vous, bon samedi. Hello, comment vous allez? Bonjour, 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 bonjour. Un live vite fait. Massara, bonjour, bonjour, merci pour les cœurs. Bonjour, bonjour, bonjour à vous qui est là, merci beaucoup. Bonjour, bonjour, bonjour. Hello, hello. Bonjour, bonjour. Hello, hello. Elles sont où mes reines là? Elles sont où? Faites monter rapidement, s'il vous plaît. Bonjour, bon après-midi à vous. Comment vous allez? Faites monter rapidement. Envoyez-moi les cœurs, s'il vous plaît. Envoyez-moi les cœurs. Qui veut participer? Non. Non, déjà, je vois même pas bien le nom. Envoyez-moi les cœurs, s'il vous plaît. Ça me fait du bien. Ça me fait du bien. Merci pour les cœurs. Voilà, ça me réchauffe le cœur. Merci, ça fait du bien. Voilà. Ma Sarah, joli teint, merci. C'est bio, hein? C'est bio, c'est bio, c'est bio. Le teint, il est bio. Le teint, voilà, il est bio. Sans maquillage, sans produit ghanéen. Le teint, il... voilà. Le teint, il est bio. La chevelure, c'est bio. Tout est bio. Voilà. Merci beaucoup. Merci, c'est gentil à vous. Hein? Faites monter alors. Faites monter et puis voilà, on va s'entretenir. Faites monter, s'il vous plaît. Voilà. Fanny, bonjour, bonjour. Qui d'autre est là? Bonjour. On dit que le mariage n'est pas fait pour les enfants. Ernestine Manga, oui, Élise. Bonjour, bonjour, bonjour. Mais moi, je vais rectifier quelque chose. Élise, bonjour, bonjour. Vous savez, Fanny, merci pour les cœurs. Gaëlle Harris, merci pour les cœurs. Meveya, merci. Adelita, merci, merci pour les cœurs. Voilà, vous savez les filles, généralement, hein, généralement, il y a qu'au vraiment à notre biscuit de mer, à tout ce qui lui arrive. Vraiment, prends courage, brave dame. Et je veux rectifier quelque chose. Ne vous fiez pas au titre que j'ai marqué. Vraiment de Dieu, vous savez, généralement, on nous dit le mariage, c'est pour le meilleur et le pire. C'est devenu un slogan et très souvent, on se laisse emballer par cette phrase magique qui est, voilà, le mariage, c'est pour le meilleur et le pire. Mais faites attention, le pire, c'est quoi dans le mariage? Est-ce qu'on ne devrait pas avoir des limites dans le mariage? Est-ce que le pire signifie supporter tout dans le mariage? Qu'est-ce que signifie le pire réellement? Quelles sont ces attitudes dans le mariage qu'on appelle le pire? Faites très attention, parce que généralement, les hommes trompent, les hommes sont infidèles. On dit, ah, tu sais, le mariage, c'est pour le meilleur et le pire. Tu vas faire comment? Il faut supporter. Et moi, ça me fait souvent rigoler. Vous savez, chaque personne doit avoir ses limites, ses valeurs, sa ligne rouge. Dans le foyer, chacun devrait avoir sa ligne rouge. Faites très attention. C'est vrai, le mariage, c'est les bons moments et les mauvais moments qu'on peut vivre dans la vie. Voilà, on doit les vivre ensemble, soudés. Mais les mauvais moments dont on parle, de quoi s'agit-il exactement? Voilà, faites très attention. Lorsqu'on parle du pire dans le foyer, on ne parle pas de l'infidélité. Quelqu'un ne va pas prendre sa quéquette, aller tremper quelque part, hein? Quelqu'un ne va pas aller être infidèle. On dit que non, il faut supporter parce que tu sais que le mariage, c'est pour le meilleur et le pire. Maman, si tu veux partir parce que ton homme a été infidèle, pars. C'est ton choix. Ça dépend de tes valeurs, de tes principes. Il y a des femmes qui ne supportent pas l'infidélité, c'est elles. Il y a des femmes qui vont supporter l'infidélité, c'est elles. Chacun doit avoir ses limites. Je vois souvent des femmes en séance de coaching qui viennent très souvent. Coach, est-ce que je dois quitter? Est-ce que je dois rester? C'est une question qui est souvent très difficile pour moi parce que je dis toujours, chacun devrait avoir ses limites. Ce que moi, je peux supporter. Peut-être toi tu peux pas supporter ce que toi tu es capable de supporter. Peut-être moi je ne serais pas prête à supporter. Chacun supporte selon son vécu. Vous comprenez un peu? Donc c'est légitime. Quand vous voulez partir, partez.
Suite à voilà, tout ce que vous connaissez sur les réseaux sociaux, sur voilà, notre charmante Coco Emilia, voilà, vous avez vu, je vois des commentaires, oui, le mariage c'est pour le meilleur et le pire, il faut supporter. Mais qu'est-ce qu'on doit supporter véritablement et qu'est-ce qu'on ne devrait pas supporter? Supporter les infidélités parce que le mariage c'est pour le meilleur et le pire, l'infidélité c'est un choix de vie. L'infidélité, c'est, quand il y a infidélité, on parle d'un adulte qui va tromper. Donc, la femme est libre de rester ou de partir. Arrêtez de rester dans les églises où on vous dit que s'il y a n'importe quoi, même si c'est la mort, il faut supporter. Ta vie est en danger dans un foyer. On dit que oh, faut rester, c'est pour le meilleur et le pire. Tu découvres que le mari, il est dans la rose croix. Le mari, il a des pratiques satanique. On dit que oh, il faut supporter, c'est pour le meilleur, le pire. Pourtant, ta vie est en danger. Ma chérie, hé, hey, mes reines, la Bible ne dit pas ça. Oui, oui, la Bible ne dit pas ça. Mm-hmm. Dieu aime tellement la femme. Oui, il suffit de voir la façon dont nous, on a été créés. Il suffit de voir tout le potentiel qu'il nous a mis en nous. Oui, Dieu a tellement demandé à l'homme de chérir la femme, de donner tellement d'amour à la femme qu'il ne peut pas accepter qu'une femme reste mourie dans un foyer au nom de l'amour, au nom de la religion, au nom de la parole de Dieu. Si tu es dans une relation où tu sens que l'homme a touché, franchi la ligne rouge, maman, tu ne peux plus supporter, ta vie en dépend. Ta santé en dépend. Tu as déjà des maladies. Tu es entré en santé. Mais te voilà malade. Maman, fuis. Si tu peux. Si tu as la capacité. Moi, je dis toujours. Si tu as la capacité de partir, pars. Oui. Ça ne fera pas de toi une femme faible. Oui. Oui, oui, oui. Ça ne fera pas de toi une femme faible. Oui. Qu'est-ce qu'on appelle le pire dans un foyer? Oui. Le pire, c'est quoi? Le pire, ça peut être un handicap. Oui, le mari peut perdre son pied. Le mari peut perdre la vue. Il peut avoir un handicap. Maman, tu restes dans ton foyer. Tu ne vas pas te séparer avec le mari parce qu'il a eu un handicap. C'est ce qu'on appelle le pire dans un foyer. Oui, le mari peut perdre son emploi. Oui, tu ne vas pas te séparer parce que le mari a perdu son emploi. Voilà en quelque sorte les exemples. Oui, quand on parle du pire dans le mariage. Oui. C'est-à-dire que on ne parle pas des situations où tu te maries avec un homme, tu es fiancé avec un homme, tu découvres qu'il t'a menti, il t'a trompé, il a abusé de ta confiance sur toute la ligne. Maman, si tu as les épaules solides comme cette dame, si tu veux sortir de ce foyer-là, sors la tête haute. Dieu te donnera raison. Les hommes peuvent te coller une étiquette, mais Dieu n'a pas dit, ne t'a pas collé cette étiquette-là. Bah oui. Ben oui, il est préférable de se séparer très tôt que de persister et mourir. Oui, oui, oui. Il est préférable de se séparer pendant les fiançailles que de faire un faux mariage. Et c'est ce que beaucoup de femmes n'ont pas compris. Oui, ah oui, quand je vais me séparer, qu'est-ce que les gens vont dire? Tu sais, il y a beaucoup de femmes qui sont calées dans les mariages là. J'ai envie d'avoir mes enfants avec un seul père. J'ai toujours rêvé d'avoir mes enfants avec un seul père. Et toi, est-ce que tu as pensé à toi? Oui, il y a beaucoup de femmes là comme ça. Hein. Oui, est-ce que tu as pensé à toi? Oui, qui peut même supplier le gars? Parce que non, j'ai toujours voulu faire mes enfants avec un seul père. Je préfère aller supplier là-bas, faire mes enfants avec lui. Comme ça, au moins, on ne me traitera pas de femme qui a les enfants, les pères différents. Écoute-moi. Écoute-moi. Quand une femme a les enfants, les pères différents, oui, oui. Elle est comment par rapport à celle qui a les enfants avec un seul père? Les enfants, c'est les enfants. Peu importe la façon dont les enfants ont été conçus. Moi, je dis toujours, les enfants, un enfant reste un enfant, quelque chose de précieux. Faites monter, s'il vous plaît, pour sensibiliser les femmes. Vous savez, je le dis toujours, oui, partager mes directs, c'est sensibiliser une femme quelque part. C'est parler au cœur d'une femme quelque part. Les femmes qui restent mouries dans les foyers, soit disant que, oui, voilà, c'est le mariage, c'est pour le meilleur et le pire. Qu'est-ce que le pire dans un foyer? C'est très important de savoir ce que c'est que le pire dans un foyer. Maman, ton mari ne va pas te tromper avec ta propre sœur. Ton mari va coucher avec ta sœur, tu vas pardonner parce que le mariage, vraiment, c'est pour le meilleur et le pire. Maman, ça, ce n'est pas le pire. Oui, on ne parle pas de ça. Ça, ce n'est pas le pire. Si tu te retrouves dans une telle situation, tu veux partir, il faut partir. Oui, il faut partir. Et si tu te retrouves aussi que tu as les épaules assez solides pour supporter, ou alors, voilà, que c'est encore, on peut recoller les morceaux, mais reste. Mais il faut pas en vouloir à celle qui part.
Oui, faut pas en vouloir à celle qui part. Tu te maries au début d'une relation. Tu te rends compte qu'un homme, il n'arrive même pas à mettre le plat sur la nourriture. Il n'arrive même pas, c'est-à-dire qu'à participer dans les finances à la maison. Maman, on dit que c'est pour le meilleur et le pire. Est-ce que ça, c'est le pire? Quelqu'un qui t'a menti sur toute la ligne. Est-ce que ça, c'est le pire? Quelqu'un qui ne peut même pas subvenir aux moitiés des charges à la maison. Est-ce que ça, c'est le pire? Tu te maries avec un homme, tu découvres après qu'il a 10 enfants. 10 enfants dans tout le monde entier, il t'a caché. Est-ce que ça, c'est le pire? Maman, tu peux partir comme tu peux rester. Si tu juges que voilà, mes épaules sont assez larges pour supporter, tant mieux. Si tu juges aussi que vraiment, c'est de trop, il a franchi la ligne rouge, il est allé trop loin, mais va-t'en. C'est mieux d'aller te reconstruire au lieu de persister. Les relations où on persiste, on sait très bien qu'il n'y a pas de l'amour à la base. On persiste. Ben oui, on persiste. Généralement, qu'est-ce qu'on récolte? On récolte de la pitié. On récolte des insultes. Oui, oui, on récolte le mépris. Donc, vraiment, oui, 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 on est. Cette question-là du pire, la notion du pire, je voudrais que les femmes le comprennent, ce que ça signifie. Oui, parce que j'entends trop, oui, le mariage c'est pour le meilleur et le pire. Je milite pour le mariage au quotidien, oui. Je milite pour la famille, oui, pour l'épanouissement de la relation. Oui, 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 vous le savez déjà. Mais je dis, il y a des choses qu'on ne peut pas supporter, oui. Il y a des choses qui peuvent être insupportables, oui. Et ce n'est pas le pire, ça ne fait pas partie du pire, eh oui. Ça ne fait pas partie du pire. Donc faites attention. Vous ne pouvez pas continuer de rester avec un homme qui vous humilie dans tout le quartier. Oui, qui couche avec toutes vos copines. Et vous dites que, oui, le mariage c'est pour le meilleur et le pire. Vraiment, c'est ça le pire. Je dois supporter. Ce n'est pas ça le pire. Oui, le pire dans un foyer, ce n'est pas ça. On nous a mal expliqué la notice. En grandissant, non maman, on nous a mal expliqué. Oui, pour certaines personnes, c'est comme la soumission. On nous a mal expliqué la soumission. C'est comme la soumission. On a mal expliqué à certains hommes. Oui, ce que c'est que véritablement avoir une femme soumise et qu'est-ce que c'est que la soumission. C'est une mauvaise explication. Il y a eu incompréhension, si vous voulez. Oui, parce que, vous savez, en grandissant, on nous a fait comprendre que le pire, c'est supporter tout. La soumission, c'est dire oui, ne jamais dire non. Le pire, c'est, voilà, supporter l'insupportable. Même dans les relations sexuelles, on n'a pas de mots à dire, on n'a pas de choix à faire, on est marié, c'est une étiquette qui est collée, on n'a pas le droit de quitter lorsqu'on est mal. On nous a mal expliqué. Eh oui, ma chérie, je voudrais te dire ce matin, tu as le droit, oui, de quitter. Tu as le droit de partir. Je vous l'ai dit la dernière fois, vivez pour vous. Oui, je vous l'ai dit la dernière fois, vous avez le droit. Oui, je donne le chapeau, vous savez, à ces femmes qui arrivent à supporter, qui arrivent à vivre avec. Voilà pourquoi en séance de coaching, quand une femme vient, je lui dis, moi je ne fais pas de magie, qu'est-ce que toi tu veux? Oui, on peut parler à l'encontre de ce que toi tu veux. Oui, le coach, le rôle du coach, c'est de te guider dans ce que toi tu veux. Parce que tu es la seule à vivre cela. Je ne viendrai pas vivre une relation à ta place. Alors, qu'est-ce que toi tu veux? Tu veux rester dans cette relation? D'accord, voici le chemin. Voilà, tu veux sortir? Ah, d'accord, il n'y a pas de souci. Voici le chemin. Voilà, parce que l'être humain doit être responsable de ses actes. Oui. Parce que vous devez être responsable de vos actes. Ne restez pas dans les foyers parce que, oui, ma mère m'a dit que, oui, vous savez, on m'a dit que, oui, vous savez, c'est parce que, ah oui, c'est parce que, non. Qu'est-ce que toi-même tu veux? Tu veux partir? Donne-toi les moyens de partir. Oui, donne-toi les moyens de partir. Prépare ta sortie et sors, ma chérie. Quand on part, on ne demande pas conseil. Oui, les femmes qui viennent là, je veux me suicider. Je veux partir, c'est monté, comment c'est descendu comme ça? Le gros français ne part nulle part, généralement. Elles veulent juste faire consoler. Elles ont envie qu'on les écoute. Elles ne sont pas prêtes à partir. Mais parce que quand tu veux véritablement partir, ma chérie, tu n'as pas le temps de venir sur Internet demander conseil. Tu pars parce que tu sais ce que tu vis. Oui, parce que tu sais ce que tu vis. Vous savez, tout ce que cette dame a vécu, tout le monde peut vivre ça. Les déceptions, on en a connu. On est mariés aujourd'hui. Voilà, on va pas cracher sur notre passé. On a connu des déceptions, on a connu ça. Et oui, on a connu ça. L'amour, c'est quelque chose de beau. L'amour, c'est quelque chose, voilà,
C'est magique. Et voilà pourquoi ça fait mal. Même les plus costauds, oui, même les plus costauds, à un moment, deviennent fragiles face quand tu tombes amoureuse ou amoureux. Vous comprenez? Donc vraiment, quand je vois souvent des femmes qui se rient de cette femme-là, ça me choque un peu. Parce que tout ce qu'on a aujourd'hui, on peut perdre ça demain. Rien n'est acquis, même pas un foyer. Oui, je suis dans mon foyer aujourd'hui. Je ne peux pas prédire. Oui, je ne peux pas prédire ce qui va se passer dans 5 ans. Je ne peux pas prédire ce qui va se passer dans 10 ans. C'est Dieu, quoi. Vous savez, c'est Dieu. Personne ne passe un concours pour être dans un foyer. Personne ne passe un concours, je ne sais pas, pour être avec un homme bon, pour avoir 10 ans de mariage, 20 ans de mariage. Non. Je pense que c'est Dieu qui... C'est la force de Dieu, en fait. C'est la force de Dieu. Donc, ne vous moquez pas de ces femmes-là. Dans nos familles, on en a toutes. Voilà, on a toutes des personnes qui ont les enfants, les pères différents, les enfants, voilà, les femmes qui sont... Ça ne commence pas aujourd'hui. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Oui, ça ne date pas d'aujourd'hui. Vous comprenez? Ça ne date pas d'aujourd'hui. Oui, dans toutes nos familles, qui dans sa famille va me dire qu'il n'a pas vu une tantine, une tata qui a grandi et élevé ses enfants? Voilà pourquoi je dis souvent aux mères célibataires. Hein? Aux mères célibataires, les enfants, ce sont des anges, c'est un don. Il y a des femmes qui ont souffert, elles ont eu les enfants, les pères différents comme ça. Mais les enfants là, oui, ils sont venus essuyer leur larme. Oui, c'est-à-dire que Dieu est passé au travers de ces enfants-là pour les faire, ces femmes-là, asseoir à la table des rois. Mais oui, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Aujourd'hui, oui, les hommes te collent une étiquette. Oui, aujourd'hui, ça te fait bizarre de savoir qu'en tant que femme, tu as les enfants, les pères différents ou tu as les enfants hors mariage. Mais qu'est-ce que tu en sais? Oui, peut-être ta bénédiction peut passer à partir de ces enfants-là. Ben oui, peut-être ton bonheur, ton véritable bonheur, peut-être même la paix, le rat que tu cherches, va passer, entrer dans ta vie au travers de ces enfants-là. Eh oui, eh oui. Il y a des femmes, c'est après qu'elles aient eu des enfants, qu'elles ont fait un bon mariage, qu'elles ont trouvé véritablement l'homme de leur destinée, et elles sont heureuses et épanouies à plus de 30 ans. Ben oui, à plus de 30 ans. Oui, qu'est-ce que vous en savez du lendemain? Oui. Qu'est-ce que vous en savez? Aucune femme ne rêve se lever un matin, aller faire un enfant avec un homme sans envisager quelque chose. Aucune. Même si certains essayent de nous voiler les yeux. Mais sachez que c'est parce que voilà, elles sont sur la défensive. Mais aucune femme n'aimerait vivre cela. Tout le monde veut se retrouver dans un foyer. C'est inné en nous les femmes. Dans un foyer tranquille, avec un mari qui se lève le matin, qui nous remplit de bisous. Tout le monde, oui, quand une femme a déjà un enfant, quand vous voyez le deuxième, le troisième, mais c'est des escrocs. Une femme ne peut pas avoir un enfant et aller s'azader à faire le deuxième enfant comme ça, juste pour le plaisir. Oui, parce que je veux faire. Non. Non. Non, ça voudrait dire qu'il y a eu un escroc. C'est les escrocs sentimentaux dont je vous parle souvent. Oui, parce qu'une femme, oui, qui a déjà fait une première erreur, elle sait que où je suis là vraiment, j'ai déjà un enfant à ma charge. Croyez-vous que sincèrement, elle ira faire deux enfants, trois enfants comme ça? Donc vous devez comprendre que c'est des femmes qui sont déjà fragiles. Donc quand vous rajoutez, hein, c'est comme les vous rajoutez avec les mauvais commentaires, les ceci. Pensez à vos familles, pensez à vos sœurs, pensez à vos cousines. Dans vos familles, vous avez ce genre de personnes. Vous avez ce genre de sœurs, de tantes, de cousines. Même si c'est dans les familles éloignées. Parfois même c'est dans les familles très proches. Eh oui. Vous ne savez pas que de nos jours, les gigolos là, hein? Les gigolos de nos jours là, vous ne savez pas que ils sont à la recherche de ces femmes là qui ont bâti seule leur vie. Vous ne savez pas que ces femmes là sont devenues des proies pour ces hommes là. Oui, pour ces hommes-là, voilà. Donc parfois, si elle ne tombe pas sur X, elle va se faire avoir par Y, parce qu'elle devient comme une proie exposée facile pour ce genre d'hommes-là. Et oui, c'est des hommes qui mettent leur machine en marche simplement pour avoir cette catégorie de femmes. Une catégorie de femmes. Ben oui, et comme la femme reste femme, la femme reste cette maman-là, la femme reste femme dans l'âme, peu importe les millions, les moyens, le niveau intellectuel qu'elle a. Vous comprenez? Voilà pourquoi à un certain moment, ces hommes-là arrivent à les amadouiller. Oui, parce que je vois souvent des femmes en séance de coaching, voilà, des femmes intellectuelles qui disent, mais coach, ce qui m'énerve, c'est parce que je ne comprends pas comment j'ai fait pour me faire berner. Je ne comprends pas comment je suis arrivée là. Je dis, ma chérie, faut pas te donner l'AVC pour rien, chercher à comprendre. Ça arrive. Tu es une femme
Avant tes diplômes, tu restes une femme. Tu es tombée simplement amoureuse. C'est tout. Pourquoi tu cherches trop à comprendre? Non, je veux comprendre. Je ne comprends pas comment je me suis fait avoir comme ça. J'ai dit, ma chérie, l'amour là. Histoire d'amour là. Si tu veux chercher à comprendre là, tu vas devenir folle. Si tu veux chercher à comprendre, tu vas devenir folle. Les gigolos, qu'est-ce que vous ne savez pas sur les gigolos? Tout le monde, je vous en parle. Quand vous voyez certaines personnes, vous savez très bien que c'est leur métier. Vous savez, il y a des hommes ici d'ailleurs, oui, ils ont fait de ça un métier. Oui, et c'est ce que vous appelez les fémans. Les fémans, c'est les gigolos. Quand le fait ne marche pas, ils gigolent les femmes. Ils ont toute une machine en marche. Ma chérie, tu restes une femme. Il met le paquet en main. Parce qu'en fait, tu es une proie. Tu es comme le mougou. Il peut te taper l'exil même pendant des années. Tu es sûr que voici l'homme. Au final, un jour, tu vas craquer. Au final, un jour, tu vas te dire, j'ai trouvé quelqu'un. Mais oui, j'ai trouvé quelqu'un. Oui, ça arrive à tout le monde. Qui n'a jamais été dessus? La personne qui n'a jamais été dessus, c'est quelqu'un qui est encore vierge. Mais sinon, si tu as connu un homme là, tu as déjà été dessus. Qui n'a jamais été dessus? Qui n'a jamais été dessus? Voilà, on a toujours déjà été dessus. Oui, ça peut arriver à tout le monde, les filles. Ça peut arriver à tout le monde. Oui, oui. C'est pourquoi je dis même souvent aux femmes, évitez les hommes là qui disent que je fais les affaires. Oui, je fais les affaires. Derrière ça se cache le métier de gigolotisme. Les affaires qui n'ont pas de sens, donc il n'y a pas de traçabilité. Tu ne peux pas véritablement tracer ce que le monsieur fait. Oui, c'est des gros gigolos habillés en costume de star. Il faut vraiment éviter même ces catégories d'hommes-là. Oui, oui, oui. Et on les rencontre généralement chez les Camerounais, les Congolais. Ou encore les Ivoiriens. Cette catégorie d'hommes-là. Déjà, je fais les affaires. Je suis homme d'affaires. Oui, oui, oui. C'est les gigolos habillés en costard et en cravate. Oui, 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 oui. C'est-à-dire qu'ils ont fait de ça leur métier. Je vous dis, ils ont toute une machine en marche. Oui, un homme qui ne fout rien de ses journées. Oui, oui, avec la complicité de ses amis. Oui, qui va louer des grosses voitures et vivre dans une suite qu'il a payée à l'aide du tcha-tcha. Toujours à partir de la fraude. Il va vivre dans une suite. Maman, comment tu vas pas croire? Tu es une femme, une jeune femme. Oui, à la recherche de l'amour célibataire. Comment tu ne vas pas croire? Tu viens tous les jours, il est dans la suite. Il y a la voiture garée devant lui. Tous les jours, il vit là-bas. Il vit en plein les Champs-Élysées. Comment tu vas pas finir par croire? Tu vas finir par croire que voici un homme qui est bon. Il a au moins 4 cartes bleues. Les grosses cartes bleues. Tout ça, c'est la naque. Oui, c'est les choses de tcha-tcha. La suite où il vit là, c'est payé à l'aide de tcha-tcha. Du tcha-tcha. Oui, c'est des gigolos, mais vraiment des escrocs habillés en costume. Oui. Que oh, je fais les affaires. Évitez cette catégorie d'hommes-là. Oui. Évitez cette catégorie d'hommes-là. Oui. Ils vivent sur le dos des femmes. Oui. Et ils cherchent une catégorie de femmes. Oui. Les femmes à la lue de biscuits de mer, là. Oui, 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 oui. Les femmes qui ont peiné, qui ont construit seule leur vie. Oui. Ils savent que ces femmes-là, oui, 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 si elles trouvent quelqu'un de bon, elles vont se caser. Alors, voilà. Voilà. Il te rythme, il te donne ton temps, hein. Il n'est pas pressé, hein. Ne pense pas que c'est pas le genre de gigolo que il vient aujourd'hui, il est prêt à partir demain, là. Il n'est pas pressé. C'est-à-dire que quand tu n'es pas là, il a sa petite chambre au quartier, il part dormir là-bas. Le jour qu'il a rendez-vous avec toi, il repaye encore. Un de ses amis paye le tcha-tcha. Il part encore vivre dans la même suite, là-bas. Oui, aux Champs-Élysées. Il va là-bas dormir. Si c'est ensuite, grand hôtel, il va là-bas. À chaque fois que vous avez rendez-vous, tu viens là-bas. Mais comment tu vas te dire que... comment tu vas arriver à croire que il n'a pas un train de vie élevé? Ah, les cheveux aussi, hein. Avoir les longs cheveux aussi, c'est un problème. Faut me laisser les cheveux. Quand on parle des sujets sérieux comme ça, là, il n'y a pas histoire de nyanga dans ça. Oui, les sujets qui choquent, qui énervent comme ça, il n'y a pas histoire de nyanga. Voilà. Vous comprenez? Faites très attention. Faites très attention. Vous voyez les hommes, quand vous arrivez au rendez-vous, ils parlent que des millions. Mais il n'y a pas de traçabilité. Ils parlent que des millions. Ils vivent que dans les suites. Il est à Dubaï, il est en France, il est à Monaco, il est ici. Il n'a pas d'adresse. Il n'a pas d'adresse. Il n'y a pas de traçabilité des revenus qu'il a. Oui. Il n'y a pas de traçabilité. Faites très attention. Quand vous êtes une femme, vous avez bâti votre vie. Je dis toujours aux femmes. Faites attention. Oui, la vie est dure.
Parce que même le piment, c'est le boulot. Mm-hmm. Même vendre le piment, c'est le boulot. Fleur de Lys disait une fois que même dire je t'aime à un cachala, c'est le boulot. Mm-hmm. C'est le boulot. Vendre le, même le piment, c'est du boulot. Est-ce que c'est facile? Mm-hmm. Est-ce que c'est facile? Ce n'est pas facile. Voilà. Ce n'est pas du tout facile. Vous comprenez, non? Voilà. Donc, quand vous avez réussi à bâtir votre vie comme ça, faites attention parce que vous êtes une proie pour ces hommes sans domicile fixe là. Mm-hmm. Vous êtes une proie pour ces gigolos VIP. Oui, parce que c'est les gigolos VIP. C'est les gigolos qui se prennent au sérieux. Ils ont le peu de finances qu'ils ont. Ils financent, oui, pour avoir une femme. Oui, oui, oui. C'est leur travail. C'est leur travail. Et quand ils viennent à partir de toi, ils savent qu'ils vont entrer dans ton milieu. Vu que tu as un certain milieu, tu as une... Je ne sais pas. Tu as un carnet d'adresse. Quand il vient, il va entrer dans ton cercle d'amis. Et c'est comme ça que tu vas voir. Il commence à tout. Quand il va te laisser là, il commence à chercher. Dans ton même environnement, il commence à chercher. Autour de toi, autour de toi. Faites attention. Oui. Avec ce genre d'homme-là. Donc, vraiment, faites attention. Mm-hmm. Avec ce genre d'homme. Mm-hmm. Faites très attention. Oui. Parce que c'est triste, ça fait mal. Personne ne veut se marier aujourd'hui et divorcer après un mois, après une semaine. Personne ne veut vivre ça. Personne ne peut vivre ça. Oui. Vraiment, même à son pire ennemi, on ne peut pas souhaiter ça. Vous savez quand même que faire un mariage, ça engendre beaucoup de choses. Les dépenses, que ce soit psychologiquement et la séparation aussi, engendre beaucoup de choses. Donc, personne ne veut se retrouver dans ce genre de situation. Donc, vraiment, préservez-vous. Faites très attention, les filles. Oui. Faites très attention. Il y a des hommes ici là-dehors. Mm-hmm. Il y a des hommes ici. Quand il commence que je fais les affaires, ou maman, tu ne peux pas tracer vraiment les affaires qu'il fait. Il faut commencer à avoir peur. Mm-hmm. Faut commencer à avoir peur. Oui, oui. Faut commencer à te méfier, à avoir peur. Ils sont nombreux. Mm-hmm. Et cette vague d'hommes-là, ça arrive déjà en Afrique. Oui. Ils sont déjà en Afrique. Oui, oui, oui. C'est-à-dire que ils pensent que, comme ils sont nés beaux là, ils vont vivre la belle vie dans les poches des femmes. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'ils sont grands de taille, plus d'1m70, ils sont beaux, ils ont le corps du vêtement, ils ont le corps de la cravate et du costume noir. Voilà, pour eux c'est suffisant. Voilà. Pour eux comme ça là, c'est leur capital, c'est suffisant. D'ailleurs, ils veulent vivre la belle vie dans les poches des femmes. Faites attention, c'est à vous d'être prudente et regardez. Ces hommes-là ne sont pas prêts pour le mariage. Oh. Ils t'épousent là, il va vivre de quoi? Mm-hmm. Il est obligé parce que c'est son métier. Il vit du gigolotisme. Lui, il t'épouse, il va vivre de quoi? Il t'épouse, ça veut dire que son travail est fini. Mm-hmm. Il t'épouse, ça veut dire que son travail est fini. Voilà. Parfois, il vient épouser cette femme-là, croyant que ces femmes-là, oui, vont s'occuper d'eux. Quand la femme wise aussi, elle prend conscience, elle dit que qui? Moi, m'occuper de toi. Voilà comment les problèmes commencent. Mm-hmm. Voilà comment les problèmes commencent. Oui. Donc, vraiment, faites attention. Maman, tu te retrouves dans ce genre de situation. Un homme doit avoir le minimum pour s'occuper d'une femme. Oui. Un homme doit avoir le minimum pour s'occuper d'une femme. Tu te retrouves dans une situation où l'homme t'a menti, te trompé. Tu vas prendre un homme en Afrique. Tu arrives ici, il est les papiers, il te trompe, il te manque. Tu te rends compte que voilà, il t'aimait à partir des papiers. Maman, si tu veux partir, si tu as les épaules pour supporter la séparation, parce qu'il faut supporter... Oui, il faut être assez brave pour quitter. Ce n'est pas tout le monde qui a la force de quitter. Hein? Oh, tout le monde ne peut pas quitter. Il y a des femmes même fragiles là. Quand tu les vois là, il faut même les encourager de rester. Parce que toi-même, tu sais que si celle-ci quitte là, elle va tomber seulement dans le coma. Mm-hmm. Il faut avoir la force, mm-hmm, les épaules bien solides pour quitter. Tout le monde n'a pas la capacité de quitter. Donc, si tu as la capacité de quitter, ma soeur, quitte. Cherche-toi. Mm-hmm. Voilà, ce n'est pas la fin du monde. Quitte, cherche-toi. Ne reste pas à cause des yeux des gens. Oui, oui, ne reste pas là à cause des yeux des gens. Oh, qu'est-ce que je veux dire? Faites attention. Oui. J'ai rencontré une reine dernièrement. Voilà. On a eu un coaching. Voilà, elle est venue jusqu'à là où je suis parce qu'elle y tenait vraiment. C'est une dame quoi, une dame. C'est pas mon égal. C'est pas votre égal. Voilà. C'est parce qu'on peut pas dire maman. En France, on appelle tout le monde les dames. C'est une maman. Vous comprenez? Le monsieur est là fiancé. Et il ne donne plus de nouvelles. Et la dame me dit, coach, vraiment, je ne peux pas accepter porter cette honte ici. Je vais lui donner de l'argent pour qu'il vienne me doter.
Je dis, mais pourquoi tu vas faire ça? Juste pour les yeux des gens. Oui. Juste pour les yeux des gens. Je dis non. Et après, quand tu vas doter, qu'est-ce qui va se passer après? Oui, on sympathisait comme ça. Je dis non. S'il ne donne plus de nouvelles, un homme qui te dote, après il ne demande plus, il ne veut plus, il ne donne plus de nouvelles. Maman, c'est le langage non-verbal. C'est le langage non-verbal. Il y a des hommes qui ont du mal à dire des choses de bouche. De nos jours, même l'homme ne te dit plus, je ne te veux plus. Mais tu vois dans les attitudes que ça ne va pas. Toi-même, tu dois y comprendre. Il y a des hommes aujourd'hui qui ne te disent pas que la relation est finie. Toi-même, tu dois y comprendre. Sinon, tu vas vieillir dans ça. Il vient aujourd'hui, demain, il part. Toi-même, tu dois comprendre que tu n'es plus dans une relation normale. Tu dis que oh, je reste là parce que il ne m'a pas dit que c'est fini. Vraiment, il n'a pas mis un terme à la relation. Il a dit que maman, si tu attends qu'il mette un terme à la relation, tu vas rester jusqu'à les cheveux blancs vont sortir comme pour moi si. Oui, les cheveux blancs vont sortir de ta tête, même en bas, comme pour moi si là. Ben oui, je dis mais d'accord, tu vas aller lui donner l'argent, oui, pour que vous puissiez rentrer au Cameroun, pour qu'il te donne. Bon, et après, quand vous allez rentrer maintenant en France, ça va se passer comment? Maman, tu sais, vaut mieux hein, que les choses se gâtent maintenant au lieu de se gâter après que, voilà, il est donné à manger et tout ça. Parce que ça n'aura pas de sens. Oui, ça n'aura pas de sens. Commence à laisser petit à petit, le truc va finir. Ne dis rien à la famille. Si la famille ne te demande pas, tu restes aussi tranquille, non? Elle dit que, coach, la date est déjà là. Le monsieur ne décroche même plus le téléphone. Maman, il y a de ces hommes ici, là, d'ailleurs, je ne sais même pas. Il y a de ces catégories d'hommes ici. Je ne sais même pas. Et comme je vous disais, vous allez voir qu'ils font ça. Ce genre de chantage, ça c'est le chantage psychologique. Ils font ce genre de chantage. Vous allez voir, c'est les femmes qui ont toujours bâti leur vie, qui ont réussi. C'est le chantage psychologique. Il met la dame dans un tel esprit. Dans un... Oui. Il a changé la tendance dans la relation. Oui. La femme actuellement en position de faiblesse. Hein? Il dit, maman, donnez l'argent pour aller te doter. C'est pas ça le problème. Les gens vont rester, ils vont attendre, attendre, attendre. Hein? Oui. Toi aussi, quand on t'appelle, ne te manifeste pas. Ne te manifeste pas. Ne dis rien. Elle dit que, coach, parce qu'on m'appelle ici de gauche à droite, il faut apporter l'argent pour commencer à préparer. Il faut donner, vous connaissez la dot en Afrique, non? Il faut faire ci. Elle dit, maman, quand on t'appelle, ne décroche plus. Quand on t'appelle aussi, ne décroche pas. Eux aussi vont commencer à sentir que toi-même, tu n'es pas bien. Oui. Et c'est comme ça. Jusqu'à moins quelques jours. Oui, tu vas leur dire la vérité, mais laisse tomber comme ça. Si tu donnes l'argent, ça voudrait dire que tu les encourages à commencer l'organisation. Alors que tu sais très bien que le mec ne décroche même plus le téléphone. Il voit bien à WhatsApp, il n'a pas bloqué la dame. Quelle violence. Il voit bien, mais il ne décroche pas. Il ne répond pas. Il ne répond pas. Oui. Vous voyez les choses comme ça. Donc, faites attention. Oui, Jules Henry. Jules Henry. Vous voyez les choses comme ça. Faites attention, les filles. Oui. Je reviens, si je me refais au titre de cette vidéo, comme je vous disais. Faites attention quand vous parlez du pire dans le mariage. Le pire ne signifie pas accepter tout. C'est comme la soumission. Le pire ne veut pas dire tout. Oui, le pire ne voudrait pas dire tu viens trouver ton mari sur le lit conjugal avec ta soeur ou avec une copine. Voilà, tu es obligé de pardonner parce que le mariage c'est pour le meilleur et le pire. Non maman, si tu veux partir, pars. Si tu vois que tu ne peux pas, vraiment il atteint, chacun a ses limites dans la vie. Moi mes limites, je ne saurais pas vous le dire parce que ce sont mes limites à moi. Oui, chacun doit avoir ses limites. Vous devez vous connaître au point de connaître ce que vous êtes capable de supporter psychologiquement. Oui, et ce que vous n'êtes pas prête de supporter. Oui, ce n'est pas la société qui doit vous dire ce que vous devez supporter et ce que vous ne devez pas supporter. Oui, la dame, elle s'est rendue compte. Elle a bien vu qu'elle ne peut pas supporter. Elle est partie. Où est le problème? La vie continue. Oui, elle est en phase de reconstruction. La vie continue. Est-ce que c'est chez elle que ça commence de voir une maman qui a deux enfants, deux pères différents? C'est étrange. Je ne comprends pas le monde d'aujourd'hui. Vous faites aujourd'hui comme si c'est étrange. Dans vos familles, dans vos propres familles, vous n'avez pas des gens là-bas avec les enfants différents, avec et tout, vous n'avez pas? Moi, j'en ai. Je sais ce que c'est. Oui. Moi, j'en ai. Je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est. Oui. Moi, j'en ai.
Voilà. On ne supporte pas tout. Oui. J'ai vécu une histoire qui est très proche. Vous savez, j'aime bien les anecdotes. J'ai vécu une histoire qui est très proche. Toujours dans ces histoires-là, le mariage, c'est pour le meilleur et le pire. Moi qui aime tant la vie à deux, moi qui aime tant le mariage, moi qui aime tant voir les personnes heureux, ça il faut le dire. C'est pas le mariage à tout prix parce que personne n'aime la souffrance. Oui, j'ai vu une soeur, elle était vraiment dans une situation très très compliquée. Très compliquée, oui. C'est-à-dire que elle s'est mise dans un foyer, voilà, avec un homme qui avait caché qu'il est marié. Oui, non seulement il a caché qu'il est marié, dans mes enquêtes toujours, je suis allée me renseigner. Oui, oui, oui. Quand je vous dis qu'il y a des choses, il doit avoir des traçabilités. Il s'avérait que cet homme-là est véritablement marié. Oui. Mais je n'avais pas la certitude. Quand j'ai dit, oui, à cette sœur-là que il se pourrait que cet homme-là, je sais pas, que dans son passé, il était marié et tout et tout. Oh. J'avais quel âge? J'étais très jeune. Je vous parle des histoires, j'étais très très jeune. Oui, j'étais très très jeune. Oui, à la dot de ce mariage, j'ai refusé tout parce qu'il était question que chacun doit dire ce qu'il veut et tout ça. Je dis que non, moi je suis pas dedans. Je dis que je ne suis pas dedans. Le monsieur là, que je vous dis là, le monsieur là est mari. J'ai des sources sûres. Où est alors la femme? Faites-elle, apporte la femme, tu es toujours comme ça. Apporte alors la femme, je dis que hé, hey, nous sommes ici non? Nous sommes ici. Apporte où est la femme là? Déjà, la dot est passée. Un jour, je reste comme ça là. Je vois une fille qui vient, la femme. Oh, on m'a dit que mon mari s'est marié ici. On m'a dit que mon mari, on a organisé une dot ici. Nous sommes mariés depuis 1900 combien et tout et tout et tout et tout. J'ai dit que, hein, maman. Voici la dame que je cherchais. On m'avait très bien dit. Oui, c'est-à-dire que déjà, le gars comme ça, il veut être polygame. Mais sans dire à la deuxième qu'il veut être polygame. Quand le gars a su que, oui, je suis entré en contact avec la première femme. Oui, je suis entré en contact avec la première femme. Oui, il a détourné psychologiquement. Il a formaté. Il a formaté le cerveau. Oui, il a formaté le cerveau de ma soeur. Formaté son cerveau. On est devenu ennemis. Il l'a même marabouté. On est devenu ennemis. C'était chien et chat. Tous les jours, je me bats. Je dis que ce mariage-là, polygamie dans quoi? De quoi et pourquoi? Quelqu'un qui cache déjà qu'il est marié et tout ça. Si c'est une polygamie, ça doit se faire dans les bonnes conditions. Polygamie comment? Eh oui. Il y a des hommes ici-là d'ailleurs. Oui. Tellement le gars a manipulé le cerveau de cette soeur à moi là. Il a pris la première femme, lui. La deuxième femme, il les a mises dans une maison. Entre temps, je vous parle d'un homme comme ça là. Je vous parle d'un homme qui est au ministère là-bas. Oui. Prenez la première femme, deuxième femme, mettre dans une maison. Les abandonner là-bas. Les abandonner dans la maison, aller rester à Yaoundé, faire sa vie là-bas. Je dis que, mais, ok, d'accord, tu veux être polygame, mais pourquoi tu ne les amènes pas ici à Yaoundé pour venir vivre ici? Comment tu peux abandonner les femmes dans une autre ville? Toi, tu restes dans une autre ville. Manipuler, là où il a abandonné les deux femmes, il ne passait même plus. Il avait déjà une autre troisième à Yaoundé là-bas à Bastos. Il avait déjà une autre troisième là-bas à Bastos. Oui. C'est-à-dire que les médicaments même sont entrés dedans. Les médicaments, il disait à qui veut l'entendre. Tu es envoûté. Vous êtes à moi. Vous ne pouvez pas aller quelque part. Les deux femmes là, dont je vous parle là, elles sont devenues esclaves du monsieur. C'est-à-dire que quand il tourne avec l'autre, l'autre assise devant la porte, vous avez déjà vu ça, oh. L'autre assise devant la porte pour dire que pardon, je veux même qu'on fasse la partouze à trois. C'est mon tour aujourd'hui. Vous comprenez ça? Les femmes ont maigri comme ça. Les femmes ont maigri comme ça.
Le jour où je vois cette sœur-là, elle dit que non, tu sais que le mariage, c'est pour le meilleur et le pire. J'ai accepté ça. Je ne peux pas aller quelque part. Le mariage, c'est... J'ai regardé comme ça. Je dis que prends le miroir, tu te regardes un peu. Est-ce que tu t'es vu? Je regarde comme ça, dis que tu as même regardé ton visage avant de dire que le mariage c'est pour le meilleur. Tu as regardé comment tu es devenu. Tu regardes même ton corps. La première femme me dit que, ma chérie, c'est comme tu connais là-haut, comme on était d'abord dans l'autre ville là. Le monsieur nous a abandonné ici. Je demande que, mais et pourquoi vous signez pour rester ici? Vous signez pour rester dans la maison. Le mari même vous a abandonné. Vous restez là pourquoi? Si ça c'est pas la sorcellerie comme ça, c'est quoi? Vous signez dans le village de quelqu'un. L'unami vit avec notre famille, ne veut pas vous sentir à Yaoundé. Vous restez alors ici pour faire quoi? Ah non, comme on est marié, comme on est. Je dis que maman, ça tu vas voir avec ta famille. Tu vas voir avec ta famille. Oui, oui. Ça là, ma chérie, tu vas voir avec ta famille. Moi, je m'occupe de ma propre famille. J'ai enlevé ma soeur. Oui, oui, enlevé. Le monsieur est venu. Oui, oui, oui. C'est le garde de corps. Vous avez connu Charles Ndomano. Je donne même le nom. Il est venu. Oh, la police, quoi. Il a dit que hey, le matériel, c'est l'homme qui travaille. Maman, le matériel, c'est l'homme qui travaille. Viens, on part avec ta tête. Viens, on part avec ta tête. C'est ça le meilleur et le pire. Même pour manger, le monsieur, avant, il avait fait la procuration de son salaire. Les femmes l'ont touché la procuration de son salaire. Un moment, même la procuration, il les a enlevées. Donc, c'était devenu sauve qui peut. Jusqu'à les gens au quartier demandaient que vous n'avez pas de famille. Vous n'avez pas de famille, mais rentrez chez vous. Je dis que si ça, c'est pas la sorcellerie comme ça, c'est quoi? Hein? C'est toujours le mariage comme ça. Oui, que non. Comme on est marié, vraiment, tu sais, c'est un engagement. Je ne peux pas quitter. Je dis, chouin. Chouin, ouvre tes yeux. Mais regarde, ouvre tes yeux. Je vis encore. Ouvre tes yeux. Quelle qualité de mariage tu parles? Ça, c'est un mariage, ça. Tu te maries avec les meubles. Où est le mari? Le mari vit déjà ailleurs avec notre femme. Prends conscience. Le mari qui ne sait même pas si vous mangez, si vous vivez, si vous... Ne regardez pas la première femme. Si elle veut rester là-bas, elle reste. C'est son problème. Mais regarde-toi, regarde ta vie. C'est comme ça qu'on est parti. C'est comme ça qu'on est parti. Oui. Vous ne connaissez pas les hommes démons ici. Oui, oui, oui. Vous ne connaissez pas les hommes ici. On dit les tueurs de destinée. Les tueurs de destinée. Qui n'a jamais connu ça? Qui n'a jamais connu ça? Vous n'avez pas ça dans vos familles? Les personnes qui ont les enfants? Oui. Vous voulez dire que vous ne connaissez pas ça? Est-ce que c'est nouveau? C'est pas quelque chose qui commence aujourd'hui? Les déceptions, on en a toutes connues. Oui. Chacun a son histoire. Oui. Chacun a sa vie. Chacun a son histoire. Chacun a son histoire. Ben oui. Vous n'avez jamais connu ça. Donc vraiment, ne lancez pas toujours la pierre. Oui, quand une femme a le cœur de quitter, parce que tout le monde n'a pas le cœur de quitter. Cette sœur-là, moi, elle était quittée peut-être parce que moi, j'étais là. Je l'ai épaulée. Oui, je l'ai épaulée. La première restée là-bas. Je ne sais pas ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Oui. Je ne sais pas ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Parce qu'elle signait tellement. Oui, elle signait tellement que, oh, le mariage, je veux moi rester. Je dis que, il faut rester. Il faut rester. Il faut rester. Ouais, que... maman, il y a des choses dessus là. Vous ne connaissez pas. Il faut rester. Qui n'a jamais vécu des choses bizarres? Ben oui, c'est des hommes, c'est des gigolos. Ne les voyez pas, vous dites que oui, il a l'argent, il est bien, il est ceci, machin truc. C'est les gigolos. C'est les gigolos habillés en costard. C'est des gigolos, c'est les hommes qui ont, mais ils trouvent toujours du plaisir que la femme rajoute encore. Oui. Oui. C'est des gigolos. Et vous devez savoir, comme je vous disais tout à l'heure, toutes les femmes n'ont pas le cœur de quitter. Oui. Si moi, je n'étais pas allée prendre ma soeur, la ravie même. Il y avait une autre soeur à moi. On disait qu'on va aller l'enchaîner pour l'enlever là-bas. Oui. Parce que tout ce que tu voulais dire, le gars avait formaté son cerveau. Oui. Tout ce que tu voulais dire. Non, tu sais, il a dit que. Non, tu sais, il a fait ceci. Non, tu sais, c'est parce que. Non, tu sais. Oui, il y a des femmes qui n'ont pas ce courage-là.
et qui n'ont pas ce courage-là de partir. Donc, quand une femme parle, oui, une femme parle, il faut donner le chapeau, oui, à ces femmes-là, oui, à celles qui ont le courage de partir. Il y a des gens qui n'ont pas le courage, oui, il y a des gens qui n'ont pas le courage de partir. Vraiment, le pire, ce n'est pas de supporter tout. Oui, le pire, ce n'est pas de supporter tout. Je sais que parfois, vu que je fais beaucoup les vidéos sur le mariage et tout, il y a des gens qui pensent que, oui, quand je parle du mariage, ça voudrait dire qu'il faut supporter tout. Oui, ça voudrait dire que, voilà, comme certains chrétiens le disent, oui, tu dois rester, même si c'est la mort, il faut que ça te trouve là-bas. Pourquoi? Moi, je suis contre ça. On ne vit pas deux fois. Pourquoi je vais mourir dans un foyer, soit disant que, oui, la Bible a dit que nul ne doit divorcer? Ça, c'est n'importe quoi. Ça, c'est n'importe quoi. Il faut vivre certaines situations pour comprendre. Ça, c'est vraiment n'importe quoi. Tu vas voir ta personne mourir, finir dans un foyer. Tu vas laisser la personne parce que Dieu a dit que nul ne doit séparer ce qu'il a uni. Qui te dit que c'est Dieu qui les a unis dans ce foyer-là? Il y a des foyers, quand tu vois, tu sais que Dieu n'est pas dedans. Il y a des foyers, quand tu vois, tu sais que Dieu n'est pas dedans. Dieu n'est pas dans tous les foyers. Oui, les foyers dont la construction a été mal bâtie. Oui, mal construit. Oui, oui, oui. Dieu n'est pas dans ça. Dieu n'est pas dedans. Dieu souhaite même que tu quittes. Oui, quand tu quittes, même les anges dansent au ciel. Ils sont contents parce que ce n'est pas là-bas que Dieu veut te voir. Ce n'est pas ce qu'il a prévu pour toi. C'est parce que tu ne l'as pas écouté. Oui, ce n'est pas là-bas que Dieu veut te voir. Dieu n'est pas dans tous les foyers. Arrêtez de rester, hein, signé dans les foyers où on vous tabasse. Tu restes dans un foyer tous les jours. On te tabasse. On te pèse le nez, on te pèse les yeux. On dit que non, continue de prier. Parce que tu n'as rien dans la tête. On dit que non, il faut rester, continue de prier. Continue de prier, ta vie est en danger. Continue de prier, ta vie est en danger. Maman, continue de prier, ta vie est en danger. Tu es dans une relation, tu as déjà toutes les maladies. Oui, on dit qu'il faut rester dedans, continue de prier. Oui, oui, tu ne peux pas divorcer. Oui, parce que la Bible a dit que... Mais tu n'as rien compris de la Bible. Oui. C'est ce genre de projet que Dieu a pour toi. Oui, c'est ce genre de projet que Dieu a pour toi. Oui, c'est comme ça que Dieu te voit. C'est ce qu'il a prévu pour toi. Oui, ce n'est pas ça. Je ne pense pas. Oui, parce que Dieu dit la femme doit être soumise, l'homme également doit aimer sa femme. Oui, Dieu n'a jamais dit un passage où l'homme doit maltraiter à le droit. Dieu n'a jamais dit dans un passage qu'au nom de la soumission, la femme doit supporter tout, où l'homme a le droit de fracasser sa femme, de frapper, de faire tout et n'importe quoi au nom de la soumission ou de la parole de Dieu. Mais c'est faux. Oui, c'est faux. Oui. Et les femmes qui vivent vraiment des choses atroces dans les foyers, elles aiment les histoires. Je vais aller dire à l'église, je vais aller dire au pasteur. Parce que vous voulez, là où on va vous consoler de rester dans vos foyers. je vais aller dire au pasteur. Comme moi, je vis les choses sur moi, c'est le pasteur qui vit ça à ma place. Je vais aller dire au pasteur, on va me conseiller. Je vais aller écouter ce que le pasteur va dire. Tu veux que le pasteur te dise quoi? Le pasteur, lui, il est là, il fait son travail. Maintenant, c'est toi qui vis le truc. Tu veux que le pasteur te dise quoi? Attends, lui, il fait son travail. C'est toi qui vis le truc, ma chérie. Oui. C'est toi qui vis ça. Tu vas avoir les bleus au corps. Oui. Et tout. Tu dis qu'il n'y a pas demandé conseil au pasteur. Tu veux que le pasteur te dise que quoi que lui va tuer ton mari. Mais non. Lui, il fait son travail. C'est à toi. C'est toi qui sens. C'est toi qui vis. Oui. C'est toi qui dois retenir et comprendre que non, là, vraiment, il est allé trop loin. Vraiment, là, c'est fort. Vraiment, ma vie en dépend. Il faut fuir avec vos vies. Préservez votre santé mentale. Préservez-vous. À un certain moment, quand ça ne va pas, ma chérie, il faut fuir avec ta vie. Il faut fuir, oui. Oui, 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 il faut fuir avec ta vie. Il faut préserver ta santé de l'intérieur. Oui, c'est pas au Cameroun, on dit, l'AVC est gratuit, c'est le traitement qui est cher. C'est pas ça que vous dites là-bas, là. L'AVC est gratuit, c'est le traitement qui est cher. Reste alors là-bas. Quand tu vas attraper l'AVC, là, tu crois que le mari, là, va rester. C'est vous qui parlez du pire. Tu crois que quand tu vas attraper l'AVC, le mari va arrêter de tout mal parce que toi, tu as attrapé l'AVC. Ma chérie, il va te déposer à la maison, mais aller chercher une autre. Eh oui, parce que c'est comme ça. Oui, parce que c'est un besoin. Il doit faire. Il doit faire. Oui, il doit mettre dedans. Donc, c'est un besoin pour lui. Donc, faites attention, les filles. Vraiment, avec ce mot-là, le mariage, c'est pour le meilleur et le pire. Non. Il faudrait qu'on explique très bien ce que signifie le pire. Même dans les églises, on doit expliquer ça. Qu'est-ce que signifie le pire? Expliquez ça à vos filles. Expliquez à vos enfants. Expliquez à vos petites sœurs ce que c'est que le pire dans une relation. Ce qu'on peut supporter et ce qu'on ne devrait pas supporter. Eh oui.
On peut supporter certaines attitudes, oui. On peut supporter, oui, certains caractères, oui, oui. Mais il y a des choses qu'un homme ne doit pas faire, oui. Il y a des extrêmes, oui, à ne pas faire lorsqu'on sait qu'on a une bien-aimée. Et oui, c'est très important. Alors, d'accord, donc n'oubliez pas, vous avez les contacts en haut pour notre formation du 10 avril. Le 10 avril, nous débutons notre formation qui a pour thème « Regagner la sérénité dans son couple ». Voilà, c'est une formation qui dure un mois. Alors, qui est concerné par cette formation? C'est les femmes mariées et les femmes célibataires qui aspirent au mariage. C'est une formation qui est complète, oui. Arrêtez de m'écrire, je veux les conseils. Je ne donne pas les conseils, j'accompagne. Oui, je t'accompagne et l'accompagnement, c'est un long processus. Les conseils, on les fait en live, on les fait sur les publications. Mais en privé, c'est des accompagnements privés, oui. C'est des accompagnements sur un long terme privé. Par exemple, la formation de regagner la sérénité dans son couple, qui concerne les épouses et les femmes célibataires qui aspirent au mariage, c'est un accompagnement d'un an, d'un mois, autant pour moi. Un accompagnement qui résout plusieurs de vos problématiques sur le plan sentimental, bien évidemment. C'est vrai qu'en bonus, également, je vous parlerai, oui, dans le dernier module, c'est vraiment quelque chose de un bonus, de comment avoir mettre sur pied plusieurs sources de revenus. Oui, c'est très important. Ça, c'est vraiment un bonus. Mais sinon, la formation même comporte 4 modules. Et pendant ces 4 semaines, nous sommes ensemble, on travaille pas à pas. Oui, pas à pas pour vous amener, pour répondre à votre problème. Est-ce que c'est OK pour vous? Est-ce que c'est OK pour vous? Oui, oui. Donc, voilà. C'était ça mon message pour cet après-midi. Je vais aller vaquer mes occupations. Voilà. Merci beaucoup de m'avoir accordé ce temps. Merci beaucoup. Allez, bisous. Hey! Hey! Ousmane! Arrêtez de crier là-bas en haut, hein! Maman arrive. Maman arrive, c'est bon là. Tiens, mon frère. Les enfants, c'est quelque chose, hein? J'ai dit quoi? Maman, elle travaille. Pourtant, quand je venais, maman, elle va travailler. On ne fait pas de bruit. Oui, ne faites pas de bruit. Oui. Maman, elle part avec ses amis. Elle travaille. Voilà. Allez, je vous laisse. Bisous à vous. Bon après-midi.